nurse our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. Your suffering will be legendary, even in hell. Even in hell. On va voir ça. On va voir ça si ma souffrance peut être légendaire même au paradis. Excusez-moi. J'étais un peu en retard. J'ai dû speeder un petit peu. Puis j'ai eu un problème avec ma cigarette électronique. Enfin bref. Je vous passe les détails. Nous en étions ici. On reprend partie 2 de cet excellent Little Nightmares. Alors hier, ça nous a posé souci, ce petit passage. Je sais pas si on va réussir à le passer. On a le petit garçon qui est ici. Hop. Alors il est bien gentil, on peut lui mettre un coup de spatule. Le souci, c'est que après, on a les autres qui nous sautent dessus. Alors Aurel nous a spoilé hier. Aurel. Il nous a dit, alors je sais pas s'il a déjà fait le jeu, il nous a dit qu'il fallait les feinter en prenant leur apparence. Alors est-ce qu'on peut le faire avant? Parce que comment on peut prendre leur apparence? Il est en train de pisser dans le chaudron, regardez. J'avais pas vu ça. Terrible. Parce que si je lui... Ah, je l'ai eu. Ah bah oh, voilà. Ah bah... Merde. Oh bah oui. Ah non mais voilà. C'est du beau jeu. Et quand c'est du beau jeu, regardez ce qu'on a. Il y a Hector. Qui est content. Et voilà. Il y a Hector qui est... Voilà, il est revenu près de moi, c'est parfait. Et regardez ça, on a vu la tête du petit personnage. On a mis le petit casque. Fantastique. Fantastique. Alors là, on a plié ça en 2-2. Hein. Je suis assez content. Salut, Léa. Mais oui, ça fait longtemps. Dis donc. Alors, comme ça, pour la peine, Léa, comme tu viens juste d'arriver... Hector va te dire bonsoir. Hop, il disparaît. Et voilà. C'est sa façon à lui de... d'être contente de te revoir. Tu vois. Bon, on est sur un excellent jeu, Léa. On est sur Little Nightmares. On vient juste de résoudre l'énigme qui nous bloquait hier. Mais dis donc, c'est le chahut ici. L'autre qui me pousse. On se connaît à peine. Et oh, je peux activer le pas. Nouvelle animation en plus de la reine mouche, on est gâté. Et attendez. La mouche a eu une petite modification, mais on verra ça en temps voulu. Alors on a affaire à un jeu somptueux, hein, graphiquement et dans la mise en scène. Et aussi par ses influences. Alors c'est très Tim Burton. Et aussi hier j'ai oublié de dire. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas passer là? C'est quoi le délire? Je vois pas où est mon personnage. Ah voilà. Et aussi j'ai oublié de citer hier Limbo. Évidemment. Oula. Allez, on se barre de ce guépier. Strachner. J'ai le son du jeu qui est un petit peu fort chez moi. Voilà. Regardez-moi ça. Alors c'est ce que je disais encore hier, je vais me répéter, c'est Little... Alors il y a Little Nightmares, alors il y a Little, mais il y a surtout Nightmares. C'est qu'on on pourrait penser que c'est un jeu pour les enfants, mais pas du tout. Alors une excellente direction artistique. Oh, tu me pousses pas toi, on se connaît à peine aussi. Il y a la bagarre là. Bon. Les enfants sont pas mieux que les adultes. Ah bon, voilà, ok. Et on voit son visage, mais il ressemble curieusement à Billy.
Hop, et pourquoi il remet aussitôt son petit sac sur la tête? Curieux ça. Aussitôt, il a remis son petit sac sur la tête. Comme si... Ah, il y a un bouton poussoir. On va aller chercher le bain. Si on peut le prendre. Allez, viens. Ah, c'est pas un banc, c'est un petit bocal. On va le poser là. Pas l'impression. Allez, on va le jeter plutôt. Oh. Pas l'impression. Alors, faut vraiment se mettre là. Oh non, ça va pas, ça. J'ai l'impression que ça va pas. En général, on doit... Hier, on... Non. Oh, bah... Ah bah, on l'a cassé. Bah, bravo. Ah bah, bravo. On va essayer d'ouvrir le tiroir. Non. On peut peut-être monter ici. Oui. Voilà, très bien. Alors, donc, oui, des énigmes. Mais surtout de l'ambiance. Un très bon jeu. Alors, Toléa, tu ne le sais pas, mais... Ce qui m'a donné envie de le streamer, c'est parce que ma femme joue au premier opus. J'ai trouvé ça charmant et très très bien fait. Donc j'ai eu envie de streamer le second opus qui est sorti en 2021, hein, qui est sorti il y a quelques mois, enfin quelques semaines. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il faut que je saute là. Attendez, je me place bien, j'ai pas envie de remonter tout. Voilà. Ça c'est du bien joué, mais alors pourquoi faire? À quoi ça m'a servi de faire ça? À quoi ça m'a servi? Merde. Ouais, bon. Là, Billy, Billy. Nous n'allons pas nous relever tout de suite. Bon, faut comprendre. Bon, maintenant on y va en mode speedrun. Que j'ai pas compris. Ah, hier on a streamé quoi, 1h50 je crois. Un vrai plaisir. Bon, j'ai pas besoin moi de ce bocal. Ah, peut-être que si. Pourquoi il me le propose ce bocal? Pousse-toi, déjà il m'ennuie. Allez, tourne ici. Ah bah oui, mais que je suis con. Mais des fois je suis vraiment con, hein. Hier j'ai regardé la VOD. Il y a des moments je me suis dit, oh là Romain, t'aurais pu y penser quand même. Non, 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 saute pas. Putain. Ça va l'effectuer. On va y arriver. Oh, hier, il y a des moments où je me suis regardé la VOD parce que j'aime bien me regarder. Je vais pas vous mentir. Je regarde avec mon fils. Voilà. Et avec ma femme. Je vais pas vous raconter toute ma vie, mais voilà. On fait ça, en tout cas. Et en regardant la VOD, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses évidentes, mais évidentes, que j'oubliais, notamment le coup de hier de l'échiquier là, avec la pièce, dont j'ai oublié qu'on pouvait retourner en arrière pour aller chercher. Bah non! Mais le premier coup j'ai réussi, maintenant j'y arrive plus. J'ai regardé une partie de la première partie d'hier et ouais, pour quelqu'un comme moi qui suis habitué aux jeux d'old school, ce jeu offre une ambiance de Kali. C'est très Kali. Ouais. Ah, t'étais là hier un petit peu. Tu sais que je m'étais... En fait, je t'avais pas revu. Je sais que t'as fait une pause internet. J'ai regardé hein, pour pouvoir streamer en 480. Comme tu m'avais dit que t'as des problèmes de connexion. Et puis après ça m'a fait penser que peut-être que d'autres pouvaient avoir aussi des problèmes de connexion. Et donc pour pouvoir proposer du 480p. Mais ce n'est pas possible encore. Je ne peux pas le faire. Pour la bonne... Il faut que je... Mais non! Pourquoi il veut plus? Qu'est-ce que j'effectue mal là maintenant? Il veut plus le faire. Salut Samus Aran. Cette fois je me suis pas trompé. Et non, Samus Aran. Et donc oui, il faut que je sois partenaire. Il faut que j'ai 50 followers. Et après, je pourrais proposer plusieurs qualités de stream. C'est ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, je peux pas le faire actuellement. Mais j'aurai possibilité plus tard de proposer le stream en plusieurs résolutions. Parce que ça m'a intrigué du coup aussi. Mais pourquoi on meurt là en boucle? Attends, je vais lire ton commentaire. Non, j'ai pas regardé en live hier. Je devais me lever à 6h ce matin. Du coup, j'ai vu en rediff. Ok.
Allez, j'essaye de bien le faire là. Ah, c'est bon. Comme un idiot, là, on n'a pas été à gauche. Je suis complètement con. Hein. Mais c'est le fait de streamer aussi, vous savez. Quand on est le nez dans le guidon. Le nez dans le guidon. On voit moins les choses. Si j'étais seul chez moi... Bah, je suis seul chez moi, mais... Ah non, je suis pas seul chez moi. Ah, un petit cerveau. Eh ben, j'aurais pas cette difficulté-là. Alors, est-ce que c'est ce dont on avait besoin? Je ne pense pas. Voilà, 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 voilà. Et alors? La bobinette. J'ai peur de lâcher. Qu'est-ce que ça va faire? Attendez. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre? Il y avait un petit... Il y avait un cerveau. On va servir du cerveau pour ouvrir avec le bouton poussoir? Eh oui! Bravo! C'est du bien joué, c'est du bien joué. Allez. Bravo Hector qui me félicite. Ça fait drôlement plaisir. Hop, il est revenu à sa place. N'hésitez pas à me dire si le son d'Hector est trop fort quand il tire avec son fusil. Avec son fusil, avec son pistolet. Donc là, on retrouve... tu vas vite y arriver au 50, on y croit. Ah, merci, ça me fait plaisir. Orange a eu, je cite, une coupure franche sur le réseau. Ou panne internet pendant 10 jours, ok. J'ai compris. Alors là, ben, je suis désolé pour toi déjà. Mais là, on se retrouve avec la maîtresse d'école. Alors, elle a un... Bon, je te spoil. Bah, si t'as regardé hier. Elle a son cou extensible, là. Oh là, non, elle m'a pas vu. Elle fait très peur. Elle fait très peur. Est-ce que ça serait pas le moment de montrer la mouche la version 2? Allez, je crois. Ah, regardez-moi ça. Le suspense, hein. Et voilà, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. On peut pas pousser la porte. C'est moi qui l'ai fait. Si quelqu'un vous demande qui a fait la mouche, on pourrait dire c'est Bosseron 14. Qu'est-ce qu'il y a? Elle revient? Et la musique qui fait peur? Non, c'est bon. De quoi on a besoin là? Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a cette musique dangereuse? Comme s'il y avait quelqu'un qui nous coursait alors qu'il n'y a personne. Bon, à nouveau prendre ça? Non, je peux rien faire. Mais pour te répondre, oui, j'espère qu'on arrivera aux 50. Ne serait-ce que pour pouvoir proposer une qualité à 480. Et c'est curieux. Bon, attendez, ça se trouve, j'ai mal fait et puis qu'il faut juste passer la porte. Oui, ça va être ça en plus. Oh putain. Je me connais, je sais que je suis con. Donc maintenant, c'est un combat de chacun sans contre soi-même. Je me suis dit, fais l'inverse de ce que tu penses être bon. Alors je me suis dit, tiens, je vais aller pousser la porte. Ça n'a pas manqué, c'était la solution. Donc là, on va avoir une petite séquence à la Solid Snake, à nouveau. Je suis très bon à ce jeu-là, vous allez voir. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle fait de la dissection? Allez, on y va, là. On va se planquer, là, vite fait. On va pas se faire avoir. Là, c'est un tableau qu'on va passer... Fastoche. Il faut que je sois patient. On peut changer de pièce. Oui, voilà. Et ben voilà. Là. C'est un jeu où il faut être patient. Genre là, je l'ai pas été. Voilà. Et voilà. Et voilà. Exactement ce que je voulais pas qu'il se passe. Ma cigarette? Si. J'ai peur. Bon. Vous voyez, hein?
Oh bah non. On peut peut-être l'avoir. Attendez, attendez, ça s'ouvre, on peut. Oui, mais ça va pas être bon, on peut pas ouvrir la porte. Et quand bien même on arrive ici, oui, oui, comment on fait? Ah voilà. Allez, on recommence. Ah, il veut pas ici. Allez. Allez, petit bonhomme. Salut Nictaras. Allez, c'est spécialement pour Nictaras. Voilà. Y a Hector qui va te dire bonsoir. Et voilà. Allez. Ça suffit. Et voilà. Il y a une autre surprise. La mouche est en V2. Ça sera pour plus tard. Alors faut que je sois patient. Hein. M'a pas vu là. Allez hop, j'y vais. Je reste là. Hein. Je me suis fait avoir tout à l'heure. Là on y va. Elle va se barrer peut-être. Il va y avoir une animation. Elle va prendre la porte. Ouais voilà. Tu es un génie. C'est le moment de montrer la mouche en V2, je pense, à Nictaras. On va se faire plaisir. J'espère que t'es prêt. Hein. Voilà. Oui, c'est encore la maîtresse d'école. Alors, à quoi ça... Ah, mais on peut sauter ici. J'avais pas vu. Oh là là. Faut que je sois moins attentif au chat. Hein. Vous me faites perdre... Vous me faites perdre l'essentiel. Alors, attendez. Ah mais oui oui, c'est ce que je disais à Léa, si un jour on vous demande, vous dites que c'est moi qui les ai faites. Hein. Faut pas hésiter. Hein. On peut monter, allez hop. Oui là, les choses évidentes m'échappent là tout de suite. Par contre, Nictaras, tu sais là, hier on était bloqué avec les gamins là. Je leur ai pété la gueule les uns après les autres sans problème. L'énigme d'hier ne nous a posé aucun souci. Vous avez vu comment j'ai été malin là? J'avais le doigt appuyé sur la touche, je pense que peut-être qu'on serait mort. Pas sûr, mais... J'avais le doigt appuyé sur la touche grab, et en tombant... Oui, donc hier, l'énigme d'hier, là, je l'ai fait en 2-2. Oh là là, oh là là. Ah, mais non! Oh là 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 là... Alors... Du beau travail encore, je vous laisse quelques instants, je vais sortir mes gamines, je reviens dans un quart d'heure. Bon, très bien. Ah ouais? Alors, il ne fallait pas se déguiser comme Zorel? Si! Il fallait se déguiser. Mais il fallait d'abord tuer les trois. Curieux de voir ça dans la VOD demain. Ah, regardez ça en VOD, c'est parfait. N'hésitez pas à faire de même. Bon. Ah mais merde, mais je suis complètement con. En fait, j'avais pas compris la première fois qu'il y avait que c'était le plancher. Ok, donc... déjà on fait le plancher. Bah non, il m'a pas vu. Non, là vous voyez, le script est mal fait hein, parce que là c'est pas possible qu'il m'ait vu. Hein, on est d'accord. Donc on va laisser le truc là. Oh mais merde. Bon, là c'est quand même tendu parce que il faut leur mettre un coup de marteau au moment où ils bondissent. Vas-y, mets la faute au dev du jeu. Bah oui. T'as bien vu que quand j'étais caché ici là, comment tu t'appelles, Rock Snack 3. T'as bien vu que quand j'étais caché ici, le gamin pouvait pas me voir. C'est pas possible. Hop. Salut les jeunes, comment va ce lundi? Mais le lundi c'est impeccable. Le lundi c'est impeccable. Pour la peine, rien que pour toi, la petite animation que je viens de faire aujourd'hui. C'est moi qui l'ai fait. Oh merde. Voilà, ben voilà. Voilà, vous me détournez de ce que j'ai à faire. De l'essentiel. Vous êtes trop gâtés, je vous fais des animations. Puis après on meurt en boucle.
Voilà, peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Et là maintenant faut l'attendre. Tu vois bien là il se pointe. Oh putain. Il se pointe alors qu'il m'a pas vu, c'est pas possible. Oui, exactement. Il a pas l'air très réactif le Billy. Mais c'est pas lui Billy. Billy c'est l'autre, on l'a perdu Billy. On va le retrouver. Si c'est bien son nom, petit perso. Non, Billy il a été kidnappé, hein, vous vous souvenez. Allez, on y va. Putain, on a tout réussi jusqu'ici, on va pas se faire avoir. Allez, pointe-toi. Mais merde. Tout à l'heure, j'en ai enchaîné 3 à la suite. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Tout à l'heure, on en a enchaîné 3 à la suite et là, on n'y arrive plus. C'est quoi ce délire? Allez. Mais merde, ah, je l'ai eu là. Mais putain. Allez, on est, c'est lundi. On est de bonne humeur. Ok, allez, pointe-toi. Putain. Bon, là, là c'est mal barré là. À part ça, c'est quoi ce jeu? Tu prends une masse pour taper des enfants? Non, pas du tout. C'est un. C'est un peu. Comment dire? C'est un jeu d'énigmes. Avec une ambiance un peu à la Tim Burton et inspire aussi de Limbo. Donc on a des tableaux et il faut qu'on progresse. Mais on sait pas du tout dans quel monde nous nous situons. Putain, mais pourquoi tu prends pas le marteau? La direction artistique est fabuleuse. Et tout le travail au niveau du sound design, c'est assez joli. Ce qui m'aide. On va y arriver, hein. Trop tard. Alors c'est sûr, toi, tu arrives au moment où il y a du die and retry, donc ça donne pas forcément la meilleure expérience. Hein. Mais c'est pas simple. J'arrive pas à lui mettre le coup. Putain, mais il faut que j'appuie direct, quoi. Saloperie. La mouche. Quand ça va pas, la mouche. Putain, et je me prends le saut. J'y crois pas. C'est chier que tu meurs direct dès qu'il t'attaque. C'est fourbe. Oui, mais il est très fourbe. Ils sont drôlement hostiles. Dans le 1, ma femme est en train de jouer à Little Nightmares 1. Dans le 1, ce sont les adultes qui sont fourbes et hostiles. Là, dans le 2, on est à l'école et là, d'un coup... Voilà. Mais merde. Non, mais là j'ai appuyé directement. Je vous assure, hein, j'ai fini Sekiro. Hein. J'ai fini Sekiro. Il met 15 ans à déclencher le coup de masse. Et si je le déclenche trop tard, ça passe pas non plus. Il faut vraiment... c'est pixel perfect. Ah, je l'ai eu là, mais je sais pas pourquoi. Attendez, l'autre elle est méfiante. Elle se pointe quand même. Je l'ai pas eu parce que j'ai tapé contre le lit. Putain, je crois pas. Allez, là, c'est pas de la faute des développeurs quand même. Vous l'avez tous vu le bug. Mon dieu. Tu disais la même chose quand t'étais coincé dans Silent Hill 2. Ah mince, tu m'as suivi. Je suis eu. Bon, on a réussi, hein, c'est ce qui compte. Oui, c'est vrai. Non, non, mais là, il y a eu un petit bug, on est d'accord. Ça peut pas être... Vous m'aurez jamais. Bon, j'espère que le checkpoint est sympa. Hein. Ah, merci. J'ai eu peur qu'ils nous remettent en arrière. Bon, là, on va refaire jouer de la masse. C'est un petit peu malheureux parce que c'est pas là où ils sont le meilleur, hein, sur la masse. Ah bah non, si ça va être ça... Le timing est... Bon là c'est bon. Bon c'est bon, j'ai le coup de main là. Heureusement d'ailleurs. Hein. Parce que là, il y en avait combien là, 4 à la suite? Je lâche plus la masse, hein, j'ai trop peur. Ouais, voilà, bah c'est bon, on vient de l'avoir le checkpoint. Vous le voyez pas, mais parce qu'il est dans mon dos. Mais il y a eu un checkpoint là. Bon, on a réussi quand même. Bon, on n'a pas besoin de la masse. Hop, on se fait pas avoir. Mais c'est Billy! Qu'est-ce que vous êtes en train de lui faire, bande de. Qu'est-ce qu'ils sont. Ah oui, d'accord, non, mais on a besoin de la masse au final.
Bon. C'est une affaire qui roule. Mais qu'est-ce... Alors, on retourne en arrière, évidemment. Merde, le piège. Oh, po. On reprend la masse. On aurait peut-être pu les avoir avec le piège. On va le faire à l'ancienne. Si c'est possible. Ouais, voilà. Alors, Billy, je suis venu te sauver, mon pote. Il nous faut quelque chose pour couper. Ou alors, faut tirer sur la planche, tout simplement. Ou lui mettre un coup de masse. De toute façon, maintenant, dans cette VOD, j'ai décidé de faire tout l'inverse de ce que je pense. Vous voyez ? Et ça fonctionne. Voilà, on a libéré Billy. Billy ? Ils t'ont pas violé ? Ils t'ont pas violé, Billy ? Et Billy, ils t'ont pas violé ? Hein, Billy ? Alors, c'est Billy ou Billette ? On sait pas. Mais j'ai l'impression que c'est Billette. Allez, viens. On va lui retenir la main, peut-être. Dans le 1, on peut tenir la main. Dans celui-là, on peut pas. Allez, viens, on se casse. Ils t'ont fait assez de mal. Ce sera que du mauvais souvenir. Viens m'aider à pousser ça. Allez. On se casse de cet enfer. Vous voyez, il y a certains moments où c'est un peu poétique. Si je disais pas de bêtises par-dessus. On est d'accord. Il y a un peu de poésie quand même. Bon, là on a un gros piano. Un gros piazzingue, comme disent certains. Là il y a une petite manivelle. C'est la petite manivelle qui m'intéresse. Ouais, donc j'ai suivi partiellement la première partie. Quelle est la raison d'être de ces petits personnages? Ils doivent juste s'échapper. Oui. On ne sait, le jeu est très mystérieux, hein. On ne sait pas. Alors oui, on doit progresser, on doit s'échapper. Le jeu démarre où l'enfant se réveille près d'une télévision. Voilà, c'est tout. Ah bah tiens donc. Propriétaire du piazzingue, je suis pas certain qu'il apprécie. Allez, on s'en fiche. Viens, Billy. Merde. On peut pas passer à travers une corde. C'est physiquement impossible. Ça, par contre, c'est sympathique. Vous avez vu les différents sons de cloche? Ah, faut qu'on saute. Faut le faire en rythme. Eh, ouais, attends-moi. Voilà, voilà. Bon, là, on a fait du ramdam, quand même. Il y a eu un checkpoint. Alors, là, par exemple, je suis sûr qu'il faudra aller par là. Regardez, il y a même une petite... Ah, il va me faire la courte échelle. Il y a Eve qui est ici? Je la vois pas. J'ai pas vu dans le chat. J'ai pas vu Eve. Si je l'ai pas vu, c'est qu'elle est pas là. Comment tu peux dire coucou Eve, Léa, alors que je l'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Merde, je suis en train de faire n'importe quoi. Ah là 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 là. J'arrête de regarder le chat. On perd trop de temps. Ah mais il va falloir qu'on trouve une clé, voilà. Déjà. Déjà, soyons méthodiques. Il faut une petite clé. Petite courte échelle. C'est parce que je joue avec mon iPad en même temps. Donc je suis pas connecté. Ah d'accord. J'ai compris. J'ai compris. Elle a compris que Nitaras en fait c'était toi. Ok. Bon, que là. Là on va prendre la clé pendant qu'elle est en train de faire. Ah, on va lui mettre un coup de pipe sur la gueule quoi. Allez. Je suis désolé, ça me fait plus mal qu'à toi, mais à un moment donné, faut arrêter de nous emmerder. Voilà. Et voilà, ça c'est fait. La clé, bien sûr. Alors, on a la clé. Comment je reviens? Comme je suis venu? Non. Il est où, Billy? Qu'est-ce qu'il faisait? J'ai pas pu regarder. Ah, voilà, aide-moi. Allez, Billy.
C'est bien, t'es costaud, c'est bien, ça fait plaisir. Ça fait drôlement plaisir. Regarde-moi ce que... Pendant que toi tu foutais rien, regarde ce que j'ai ramené moi. J'ai la clé moi. Allez, suis-moi. Suis-moi mon petit pote. Mon petit pote. Bon maintenant eux je les déteste hein. Et Billy il a tout de suite compris, regardez. Il a tout de suite compris qu'on allait le tuer. C'est ça que j'aime bien. On a notre complicité. Ah oui d'accord. Ah oui Billy rigole pas, il est... Oh là là, mais c'est un légionnaire Billy. C'est un ancien légionnaire et tu es un mec avec deux doigts. Ok Billy si tu veux. Si tu veux maintenant tu peux t'en occuper. Hein. Notre petit pote est drôlement débrouillard. Drôlement débrouillard ce Billy. Il me plaît. Ça veut dire qu'on aura plus besoin de se servir de la masse. Enfin, plus à chaque fois. Il a raison. Bon, tu viens Billy? Ah non, j'ai cru que le piano s'était arrêté, ça aurait signifié que quelqu'un aurait eu vent de notre présence. Bon, on va aller directement à l'étage, hein. Moi je sais que c'est là que ça se passe. Hein. Con comme je suis, ça se trouve, il fallait pousser la porte. Eh Billy. Ah, il veut me faire la courte. Ok, ça marche, ça roule. J'aime pas quand le piano s'arrête. Hein. Il va falloir pousser ça quand même. Allez, viens, Billy. Billy. Oh là. En fait, faut peut-être pousser. Non, il va m'aider. Billy, ça a l'air d'être marié dans Silent Hill 2. Pourquoi? Un boulet utile à de rares occasions. Ouais. Bah, Marie était pas du tout utile aussi, malheureusement. Dans Silent Hill 4, la personne qui nous suit, là, dont je me souviens plus le nom, nous aide un peu. Mais Marie, elle nous aide pas du tout dans Silent Hill 2. Mais c'est un peu ça. Mais moi, je l'aime beaucoup là maintenant, Billy. Bah, déjà, je l'aimais beaucoup avant, faut dire les choses. Mais là, je l'aime d'autant plus que c'est un ancien légionnaire et qu'il me tue les petits bonhommes de porcelaine avec deux doigts, quoi. Et puis, il a l'air d'y prendre goût, hein. Vous avez vu, il était en mode trappeur, hein. Il arrivait par derrière, il a sneaké, clac. Ça m'a fait bien plaisir. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là? Il va falloir qu'on atteigne là-bas. Mais comment? Ah, regardez, on peut bouger la caméra. Il va falloir qu'on joue de la manivelle. Hein. Vous allez voir qu'il va falloir faire... Il va falloir... on pourra marcher quand elle joue. Parce que sinon ça fait du bruit. Regardez là la planche. Je vais surtout pas marcher dessus parce que sinon ça va déclencher un piège hostile. Ou ça va craquer. Salut Nick Taras. Vous avez vu? Là, faut surtout pas. Allez hop, pour Nick Taras. Hop là. Le petit personnage a failli se faire tirer dessus. Et la V2 de la mouche, allez, c'est parti. C'est moi qui l'ai fait. Vous êtes trop gâté. Vous êtes trop gâté. Allez, je vais attendre qu'elle... Au prochain cycle, je fais tourner la manivelle. À moins que ça ne change absolument rien au niveau du son. J'ai peur que la poulie fasse du bruit, en fait. Voilà. Et là, je vais y aller. Allez. Ouais, il faut que je le fasse pendant qu'elle joue. Hein. C'est bon. Je vais attendre que Billy aille de l'autre côté. Allez Billy. Comment ça va se passer maintenant? Voilà, il y a une save là. Vous le voyez pas, mais je vous en préviens. Comment je vais remonter moi maintenant? Il va falloir que je pousse ça. Quand elle joue. Ouais, il y a des traces au sol. On va attendre qu'elle se remette, on va attendre un cycle. Waouh, j'avais pas vu. Même la mouche. Ah, merci. J'ai fait ça. Je fais ça en 2-2.
J'ai peur qu'elle s'arrête très vite. J'ai failli appuyer encore sur le stick, on a failli se faire avoir. Et là, ce tableau-là, on va le faire en une fois. Enfin, normalement. Ouais, c'est bon. C'est du bien joué, ça. Faut pas que je me plante. Je vais y aller quand elle joue. Hein. J'ai peur de son long coup. Allez, c'est bon. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Oh là là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, non. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je la déteste. Je la déteste. Allez, allez. Oh, allez, hop, c'est bon. Oh là 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 là. Que d'émotion. Que d'émotion. Ah, excusez-moi, j'avais besoin de fumer un peu. Tout à l'heure, ma pause cigarette, je l'ai pas faite. Bon, ça s'est bien passé. On l'a fait en d'une traite. Allez, viens, Billy. Ouh, elle est horrible, cette mégère. Bah, c'est ce que je disais dans le premier, dans la première VOD. C'est une espèce de caricature pour dénoncer le monde des adultes et puis l'absurdité du monde, mais aussi des enfants. Les enfants sont hostiles dans cet opus. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Ça sera ma capture d'écran pour la vignette numéro 2. On est à 40 minutes 55. Hein, c'est joli ça. J'ai mal choisi ma vignette pour la première partie. Je m'en veux encore. Ce sera mieux pour la seconde. Très important, les vignettes. Puis moi, j'aime beaucoup les faire. Là, il y a les habits d'un homme avec une petite valise, mais l'homme n'y est plus. Je le fais exprès. J'ai fait le cours Florent, moi. Faut m'emmerder, hein. J'ai fait les cours Florent. Allez, ça va refermer le capot. Ouais, voilà. Et là, on le retire. Allez, viens, Billy. C'est une affaire qui roule, ça. Ah non, peut-être pas. Attends, Billy. On va faire ça en plusieurs... Toi, tu vas monter dessus. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il a? Il est blessé? Il se tient le bras, là. La petite mimique du mec fier est dégoûté. Bon, toi, Billy, tu restes là, vu que t'as l'air d'être blessé. Il a dû se blesser en cassant la gueule à l'autre. Ah non, il veut pas rester dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce... Bon, en fait, on pousse et puis on saute, c'est tout. Tout simplement, voilà. Qu'est-ce que je suis en train de m'embêter? Voilà, c'est tout con en fait. Voilà. C'est souvent à des moments, il y a la perspective qui... Allez, allez. Bon, je peux faire des pompes, mais... Oula, oula, oula. Attendez. Alors peut-être que je peux faire un grand saut. Ah non, mais j'ai compris. Avec la gouttière, on va pouvoir... Ah, c'est curieux là quand même. J'ai l'impression que c'est... On n'est pas bien là. Allez. Ouais, c'est bon. Normalement, c'est bon. Voilà. Oh ouais, ouais, ouais. Il y a eu un peu de... Allez, je vais aider Billy. Ah, oh, il a pas besoin. Mais c'est vraiment un légionnaire, hein. Il fait les parcours.
le matin à 6h dans sa caserne. Regardez ça, ça me fait penser à Heavy Rain. On a trouvé un collectible. Souvenez des origamis dans Heavy Rain? Moi j'avais tellement aimé le jeu à l'époque que j'avais acheté le fond d'écran PlayStation 3. Et donc j'ai eu pendant des années la pluie sur mon menu de PlayStation 3. J'ai toujours l'origami qu'il y avait dans la boîte de jeu. Il est là. Il est au-dessus là, avec mes jeux. J'avais beaucoup aimé Heavy Rain, moi. Et toi, est-ce que tu avais aimé... Il est où? Je sais jamais. Il est là. Et toi, est-ce que t'avais aimé Heavy Rain? Alors, est-ce un oui, est-ce un non? Regardez, Billy l'a remis... Bah alors? Notre petit personnage dans le premier est habillé comme ça, avec un kawé jaune. C'est bien, comme ça il va pouvoir se protéger de la pluie. Ça fait un petit peu de la peine, hein. Oui, la bande son est magnifique, ouais. Bon. Je sais pas pourquoi je marche tout le temps accroupi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un piège, mais là ça va, là, c'est plutôt safe. Allez, viens, Billy. Avec ton petit kawé. Le personnage de Little Nightmares 1 est exactement comme... Ça se trouve, c'est lui. C'est Billy. Billy, c'est le personnage du 1. Je viens de comprendre. Les persos avec les sacs dans la tête me fait trop penser aux enfants méchants dans Rule of Rose. Ah, j'adorerais jouer à Rule of Rose. Mais il est très très cher. Comment je fais là? Je passe là, oui, voilà. Il est très 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 cher. Sur PlayStation 2. Fatal Frame déjà était très cher. Je l'ai payé 100€. Le 3. Ah, il faut peut-être que j'aille aider Billy avant. Mais là, Rule of Rose, il est très cher. Alors du coup, j'ai regardé une petite vidéo d'un mec qui y jouait. Le début, et puis après j'ai arrêté parce que j'ai envie de jouer à Rule of Rose. Voilà. Donc du coup, un jour, je me l'achèterai. J'ai pas envie de le faire en émulation. Moi, j'adore avoir mes jeux. Moi, j'aime bien avoir mes jeux. Bien avoir mes jeux. J'aime bien les avoir. Oui, bah du coup j'ai quand même là, justement je m'y suis intéressé depuis que je stream. On a déjà fait des jeux en émulation, hein, les Silent Hill et tout. Ah non, c'était pas de l'émulation. Par contre, j'ai téléchargé le Fatal Frame là pour regarder, pour le mettre en super haute résolution. C'est vrai que ça fait plaisir. Il ressemble pas du tout à la version PS2. C'est l'avantage de l'émulation, c'est qu'on peut jouer à une résolution bien supérieure. C'est très agréable. La mouche. Putain, j'ai failli appuyer sur le mauvais bouton, j'ai failli couper le stream. Vous vous rendez compte? Là, ça aurait chialé. Hein. Là, je vous vois. Vous auriez été bien triste. Bien sûr que je réponds avant que vous finissiez d'écrire. C'est mon job. Non, c'est un hasard. C'est une question de probabilité. Je me dis que si tu dis ça, peut-être que ça sous-entend que tu penses à ça. C'est des probabilités. Regardez-moi ce lit. C'est pas un peu un lit dégueulasse? Viens Billy, on reste pas une seconde de plus dans cet antre. C'est une espèce de... C'est quoi ici? C'est spécial, hein? Oui. Allez, on pousse ça, Billy. Où est-on? C'est des bureaux de quoi? Oula. Alors là, ça va être plateforme, là. Là, je vous l'annonce, je vous spoil un peu, ça va être plateforme. C'est pas là où j'excelle le plus. Surtout quand la perspective est à 3 quarts, genre isométrique. Mais là pour l'instant ça va. Oh. On a eu chaud. D'ailleurs moi j'ai chaud là avec mon pull. On va l'enlever. Comment je fais là?
Il veut pas. Ah voilà, c'est bon. Oui, la perspective est notre ennemi là. Bon, ça va. Le jeu est un peu conciliant. Bah ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Mais oui, d'une façon générale, les jeux sont quand même plus accessibles. Enfin, c'est mon sentiment. Bon, là, je me suis refait Mario 64. Enfin, j'ai joué au début, parce que je me suis acheté le jeu pour l'anniversaire, les 35 ans. Ils ont ressorti ça sur Switch avec les trois Mario, là. Donc, j'ai jamais joué, donc j'ai voulu regarder. C'est quand même tendu, hein. Il y a des passages, c'est tendu. Bon, Billy, là, qu'est-ce qu'on fait avec le bouton? Tu vas pas me dire qu'il faut qu'on jette quelque chose alors qu'il est à notre hauteur? Bon, a priori, si. Billy, il a pas l'air à vouloir d'y toucher. Non mais ça se trouve on peut rien faire. Oh c'est curieux quand même. Il y a un petit bouton, on peut rien faire. On peut pas pousser. Bon allez, on va regarder si on en a besoin après. Oui, sur le... il est bien hein, le Mario 64 sur Switch, hein, c'est mortel. Mais c'est difficile. Pour avoir les 3 étoiles à chaque fois... Il y a des moments c'est tendu hein, quand t'es habitué au jeu de maintenant, c'est pas Little Big Planet. Hein, souvent quand je dis Little Nightmares, j'ai envie de dire Little Big Planet. Parce que j'y ai joué sur PS Vita et PSP. Ou je sais plus lequel, PS Vita je crois. Bon c'est pas du tout ça. Hein. C'est difficile. Hein. Mais là ça va. Mais bon c'est du die and retry donc... Bon qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'à chaque fois que je parle... J'ai envie de prendre le bouton et l'emmener là-bas, mais on peut pas. Ah oui, le premier Tomb Raider, par exemple, c'était tendu quand même. Hein. En plus, moi, comme un con, comme j'avais pas de manette à l'époque, quand il était sur ordinateur, le Tomb Raider, j'y ai fait au joystick. Mais le vrai joystick, vous savez, celui de pilote de chasse. Ah, vous imaginez que j'ai passé un temps fou. Hein. J'ai fait Tomb Raider au joystick... joystick, quoi. Mais oui, mais moi je connaissais pas les jeux vidéo bien sur ordinateur, donc je m'étais acheté une manette de merde. Je pensais qu'on pouvait faire tous les jeux avec un joystick. Pour moi, l'ordinateur c'était ça. J'étais petit. Non, bon là j'ai pas compris. Quelqu'un a une idée? Vous avez remarqué que j'ai changé le chat. Comme on est plus nombreux, j'ai diminué la police. C'est le chien qui a eu l'idée. Hein? Hein, c'est toi qui as eu l'idée. Alors. C'est toi ou pas qui a eu l'idée? Je sais pas ce qu'il faut faire là. Attendez, je vais. Est-ce qu'on peut monter ici? C'est toujours pareil, quand je parle et que je chatte. Peut-être qu'il faut juste pousser la porte. Non. On passe jamais un plan comme ça parallèle. Ouais. On peut pas. Puis jamais on passe d'un plan parallèle, c'est ça que je veux dire. Bon, on est bien d'accord. À moins qu'il y ait le bouton par terre là. Ah non, c'est une bouteille. C'est ma bouteille de tout à l'heure. Bon, bah, comme ça c'est réglé, elle est cassée. Bon, Billy, t'as pas une idée? Non, non, on est bien d'accord que l'idée principale, c'est de prendre le bouton. Bon, Billy, on peut pas l'appeler? Eh, viens, là. Allez, là, fais quelque chose. Ah, il y a une... Il y a eu un point de save. Eh oui, effectivement... Oh, bah là, j'ai pas compris. J'ai demandé à Billy de venir. Et du coup, ça, il y a eu une save, et j'ai pu prendre le bouton. Alors, si quelqu'un a une idée de pour m'expliquer pourquoi... Parce que moi, j'avais compris qu'il fallait prendre le bouton. Pourquoi ça ne l'a pas effectué là juste avant? Curieux. Comme curieux là. Allez, c'est. Voilà, bah, j'ai peur qu'il n'y ait rien du tout. Viens, Billy. Vite, Billy, c'est ici qu'il faut aller. Allez, vite, 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 dépêche-toi. Aide-moi là. Il fait son beau là avec son kawaii. Faut qu'on se mine. Vous avez vu ça là? Au ralenti à la Michael Bay.
Oula, c'est drôlement sombre là. On va prendre la torchlight. Vous vous dites comment les Français? La lampe torche? Ouais, c'est ça. Appuyez sur B pour utiliser la lampe torche. Voilà. Ok, c'est ce bouton là. Ils disent B, mais moi c'est pas B. Hein. Moi je suis au la DualShock 4. Donc moi c'est rond. Regardez. Hop. Ah, quand j'éclaire Billy, il aime pas. Hein. Mais quoi? Allez, on passe. Voilà. On est à un hôpital là maintenant. Plein phare dans la gueule de Billy, bah oui. De temps en temps, quand je me retourne, je fais pas exprès. Je fais pas exprès, je fais un petit peu exprès. Viens, Billy. Et je sens gros comme une maison qu'il va y avoir un ennemi. Hein. Un truc bien flippant, quelque chose. Parce que là, c'est trop calme depuis tout à l'heure. On n'a pas rencontré de la maîtresse. Enfin, la maîtresse, c'est fini. Hein. La maîtresse, c'est fini. On va avoir un autre... comment on pourrait dire, croque-mitaine. Bon, il va falloir s'occuper de ça. Oh, mais c'est génial, je peux diriger le faisceau lumineux, j'avais pas vu, avec la caméra. Oh là 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 là. Oh là là, ça fait plaisir. Ça fait drôlement plaisir. Ça fait plaisir ou ça fait pas plaisir? Ah, peut-être qu'il faut qu'on aille par là. Je l'appellerai la vieille juste pour une scène avec une lampe torche. J'ai pas compris, Nectora. Ça m'arrive souvent, hein, parce que je lis en décalage. Oh là là, je l'appellerai la vieille juste pour une scène avec une lampe torche. Il est bien brave, ce petit toutou cartouche. Bah oui. Mais il faut que tu saches une chose, Nectora. À chaque fois que je regarde la VOD, je comprends à nouveau tout ce que tu voulais dire. C'est parce que je stream en même temps. Et ben je pense à autre chose et puis je perds le fil. Mais sache qu'à chaque fois que je regarde la VOD, je me dis ah le pauvre, j'ai loupé son message. Ah là j'ai mal répondu. Là c'était évident qu'il fallait faire ça. Là j'ai pas été gentil. Allez, viens Billy. Bon faut qu'on jette quelque chose là. Y a pas un truc là dans le distributeur? Une canette? Oh, allez c'est sûr que c'est ça, regardez. Hop là, il va me donner une canette. Voilà. Une petite canette. Allez, la canette. Et voilà. Très bien, très bien. Alors voilà. Là, les choses sérieuses vont commencer. J'ai vu ton message. Bon, allez, on va refaire comme la dernière fois. Mais on est dans un hôpital psychiatrique. Ah non, on est dans un hospice. Regardez, il y a des vieux là. Ça sent le vieux là. Bon, on va faire comme la dernière fois, faut qu'on règle la chaîne. Parce que on est en train de se dématérialiser là. À moitié. Je sais plus comment j'avais fait. C'était avec le stick. Comment j'avais fait déjà? Ah voilà. Voilà, 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 voilà. C'est ça. Tout simple. Ben non. Faut le faire plusieurs fois. C'est pas évident. Enfin, je veux dire, la compronette est pas évidente. Bon, c'est bon. Il est Gouillette. Celui qui a la référence est un ami. Bon. On sera amis autrement. Dans cette référence. Alors là, du coup, on est re-rentré dans la télévision, c'est très particulier. Hein. Ouh là là. Sachant que dans le 1, il y avait déjà ses yeux là sur les portes. Alors ma femme a pas terminé le 1, donc je connais pas la fin du 1, donc je vois pas encore le lien. Mais non, par contre, une chose est sûre, c'est que Billy, c'est le personnage du 1. Et là, il y a un truc avec les téloches, il y a quelque chose. Hein. Oui, voilà, tu vois, tu peux te consoler comme ça. Tu seras éternel grâce à Internet. Bon, vous voyez là-haut, il va nous falloir des plugs. Comment vous dites, vous, les Français? Des prises? Mais c'est ici qu'on va le trouver. Moi, je sais.
Vous avez vu ça? Là, en speedrun, là, un peu. Putain, mais là, du coup, oh là là là, oh là là là. Vous avez vu ça? Comment on peut aller loin, là, d'un coup? Et là, il a la tremblotte, lui, là. T'as la tremblotte, toi, mon pote. Allez, viens là, je t'encule. Non. Oh, ça va. On peut pas rigoler, là, un peu. Pas rigoler. Ok, j'ai la... Ah, regardez. Vous avez vu, là, l'ourson? Il a une clé à l'intérieur. On voit. Allez, reste là. Vilain. On est sur la radio. Et il y a un morceau de hache dans le jouet. Et pourquoi y a pas la clé dans l'ourson alors? Tiens, donne-moi ton... Hey Billy, file-moi ça. C'est pas pour toi ça, donne. Je te donne un coup de torche là dans le cul moi. Bon, il est pas... Il veut pas. Bon, en tout cas on a un bout de hache. Bon, on peut pas prendre l'ascenseur. Pas sérieux. Ah si. Oh là, le jeu se complexifie là, il y a plusieurs niveaux. Ça devient un petit peu plus labyrinthique. Bon, il y a allez hop. Là, il y a un fourneau. Oh oui, là on est dans l'énigme là. Allez, mets ça là-dedans. Ah, je suis con, j'aurais dû brûler l'ours. Il y a la clé à l'intérieur, même si on l'a pas vu sur la radio, je suis sûr. J'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Bah, je regarderai ça sur la VOD. Allez, on reprend l'ourson. Il y a la clé à l'intérieur, on le voit sur le truc. Ce qui est curieux, c'est que la radio ne nous l'a pas remontré. Allez, viens là. Je trouvais ça bizarre qu'il y ait un ourson puis qu'on puisse rien faire avec. Maintenant que j'ai vu le fourneau, j'ai compris. On va le cramer. Évidemment. Évidemment, on va le cramer. Allez, Billy, c'est toi qui ferme la porte. Je vais me délecter de ma mouche qui est sur l'ascenseur. Non, moi je faisais pas ça. Moi j'étais précautionneux. Je fais attention à mes jouets. Je les ai encore, hein. Ouais, non, mais moi, je remonte pas dans... Ah ouais, on n'y va pas tout de suite. Il a mis aussi le... Allez, c'est parti. Ah, ça va. Ne les jugez pas trop vite. Dans leur situation, vous feriez pareil. Bon, la torche light. Elle est où, la clé? Billy, viens m'aider. Faut qu'on retrouve la clé dans ce tas de merde. Il y a une save. Bon, la clé elle est bien là. On aurait tout cramé pour rien. Il veut pas venir, Billy, il a peur ou quoi? Il faut un aspirateur, faut quelque chose. Bon, on va aller voir les autres pièces. Là je pouvais rien faire. Il va nous falloir quoi, un détecteur à métaux? Il y a ça dans les... Il y a ça dans les hospices? Mais c'est pas un hospice, c'est une morgue. Qu'est-ce que je fais là-dedans, moi? Mais comment je sors? Attends, c'est curieux quand même. Pourquoi on peut rentrer là-dedans? Bon, je reviens. Sinon, je vais perdre tout le monde. Depuis que je suis rentré dedans, on a perdu 10 000 viewers. Bon, je regarde encore un coup, parce que ça me paraît quand même curieux qu'on ait pu cramer et qu'il s'est rien passé. Mais non, il n'y a rien. On peut rien faire, hein. Il n'y a pas d'interaction. Je pense qu'il va nous falloir quelque chose, un petit aspirateur, quelque chose. Allez, viens, Billy, on se casse. J'éteins ma lampe torche, il faut faire attention aux piles. Faut jouer à l'économie. Hein, faut jouer à l'économie.
Donc là, on a fait ce qu'on devait faire. On part du principe que c'est bon. On va y retourner. On va monter à l'étage. Oui, c'est un hospice. Là, il faut du plug. Alors, pas de blague. Parce que je connais Nyctaras. Et aide-moi, Billy. À deux, on peut y arriver, là. Il veut pas. Il veut pas, mais ça a save. C'est curieux. Ah ouais. En fait, le chien, c'est comme s'il se rechargeait lui-même. Comme s'il se faisait remonter la balle de son corps et hop. Exactement. T'as compris toute la poésie que j'ai voulu mettre dans mon animation. Donc il y a un troisième plug ici. Hein. Il en faut trois. Et nous on a un bout de hache. Un pommeau. Enfin non, pas le pommeau, l'inverse. Bon, la clé on sait à quoi elle va servir maintenant. Bon, il faut. Mais non, il faut qu'on trouve la clé dans le là où ça a cramé. Mais c'est énervant, je vous assure que j'ai tout fait. Je vous assure que quand j'étais là où il y avait les cendres, j'ai appuyé, j'ai cliqué. Je regarde un petit coup la téloche. Évidemment, il y a que dalle. Oh, c'est agaçant, j'ai pas envie de reprendre l'ascenseur pour me rendre compte que j'ai mal fait. C'est calme, on regrettera ce calme quand tous les vieux se réveilleront pour la soupe à 18h. Mais je sens bien le truc comme ça. Hein. Vous voyez, j'ai envie de reprendre l'ascenseur là. Je vous dis comme je le pense. J'ai envie de reprendre l'ascenseur, mais je vais retourner dans les cendres et ça ne va pas l'effectuer. J'ai déjà essayé. On va pas se refaire avoir. Et en même temps, quand je regarde les VD, à chaque fois que je dis un truc, eh ben, c'est l'inverse qu'il fallait faire. Il fallait y retourner. Allez Billy, viens m'aider. On dirait le clip de Moby avec tous les vieux devant leur téloche. Oui. Non mais ouais. Je vois. Maintenant que tu le dis. Maintenant que tu le dis, c'est exact. Bon ben je retourne. Voilà. Je suis désolé. J'en suis le premier désolé. Je regarde encore un coup. Bon, ça c'était pour qu'on se rende compte qu'il y avait la clé. Regardez, je suis pas fou, hein. On voit bien que dans son ventre, il y a une petite clé. Et puis dans la tête de canard de Billy, il y avait... Ah, mais peut-être que c'est cette peluche-là. Oh, que je... Eh oui, mais voilà, qu'est-ce que je suis con. J'ai pas regardé, voilà, je suis pas assez consciencieux. Allez, c'est parce qu'il y avait rien dedans. J'ai pas vu qu'il y avait plusieurs peluches. Idiot. Y a rien dans lui, là. On va mettre l'autre. On va faire un comparatif. On va faire un comparatif. Vous allez voir que ça va être celle-là. C'est toujours la dernière. Mais bon, ce qui me rassure, c'est que vous n'y avez pas pensé non plus. Donc je me sens moins fautif de notre retard dans la résolution de l'énigme. Je vois que vous aviez pas vu non plus. Donc je suis rassuré. Allez hop. Bon Billy, tu pourrais aider. Hein. Et voilà. C'est la dernière, je le savais. Allez. C'est bon, j'ai le bon, hein. Parce que... Pardon, pour le souffle. Je suis capable de repartir avec la mauvaise peluche, après m'être fait chier. Il faut toujours qu'il soit sur la photo, oui, oui. Exactement ça. Il en bouffe du rayon X. On dirait mon père. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi ton père? Pourquoi diable ton père? Allez. On avait compris le principe. Hein. Allez. Mais tous. Et Billy il est rigolo parce que lui, il veut nous aider, mais il fait mal. Il met sa tête de canard, mais bon, ça sert à rien, Billy. Ça sert à rien. C'est pas grave. Pas grave. On le laisse faire. C'est notre petit pote. Allez, là, on a la clé. Et voilà, bah bien sûr, là, on la voit bien. Allez, hop, on la met dans notre slibar. Et là, maintenant, on sait où se diriger, évidemment. Qu'est-ce que je parle trop.
Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu baragouines, Nictaras? Mon père y est malade, donc on en rit. J'ai rien compris. Tu m'as dit qu'il prenait du rayon, ça j'ai compris. Long play walkthrough with commentary. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce que tu veux dire. Je comprendrai tout en regardant la VOD. Pourquoi mais pourquoi tu me mentionnes? Ah oui, bah oui, parce que je dis que je parle trop. Ah ça y est, tu vois? Parce que j'ai mon cerveau qui ne s'arrête jamais, moi. Jamais. Jamais. Donc du coup, j'oublie ce que je viens de dire. Parce que je suis déjà en train de penser à autre chose. Alors c'est très bien pour écrire des livres. Mais pour la vie en société, c'est catastrophique. Comme tu peux le voir. Toutes mes interactions sociales ont un handicap. Allez Billy, tu me fais la courte. Ça c'est une affaire qui roule ça maintenant avec Billy. On sait comment il faut faire. Je sais pas pourquoi je suis monté là, mais je me suis dit, pourquoi pas. Bon, très bien. Très bien, très bien. Quoi, on va lui mettre ça dans les fesses? Pourquoi pas? Moi, je suis ouvert à tout style de gameplay. Hein. Ça me fait pas peur. C'est bizarre, là, quand même, cette histoire. On va pouvoir éclairer, là? Qu'est-ce qui arrive, Foucault? Bon, Billy, viens. Ah bah non, Billy, il peut pas venir. Et pour cause? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Il nous a laissé passer, mais nous, on peut pas rouvrir la porte. Ah bah les énigmes deviennent plus corsées, hein, évidemment. Bon, faut regarder. Là, il y a une caisse. Voilà, voilà, tout simplement. Oula, 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 oula. Oh, ta mère. J'ai eu peur. Allez, allons se casse. Il veut pas, là. Allez, saute, abruti. Pardon, coquin. Non, mais... Je suis nul. Non c'est bon, oh, on a vraiment eu du bol là. C'est un peu bugué et tant mieux. Ah non mais non. Oh mon dieu. Bon ça va, ils sont sympas. Ils m'ont mis un petit checkpoint sympathique. Mais merde, tu me fais rire, je me fais avoir. C'est un magasin de pièces détachées pour des mineurs. Tu vois là, j'ai compris. Parce que c'était au moment où j'étais en train d'y penser. Oui, voilà, c'est des facehuggers. Allez, on est bon, c'est une affaire qui roule. Allez, monte, il va nous suivre? Non, c'est bon. Allez, rentre là-dedans. Ah, c'est bon. Alors, merci petit Jésus. Donc là, on est dans un plan parallèle. Oula, qu'est-ce qui se passe? Je trace. Je demande pas mon reste. Je pense qu'il faut qu'on monte là. Je sais pas pourquoi. On a un étau. On va s'en servir, je pense. Oula, quoi? Oula. On se connaît à peine. Non, on se connaît à peine. Ok, ouais, c'est bon. Non, les taux ne servaient strictement à rien. On a un plug. Ah, on peut lui péter la gueule. Ah, il a eu peur là. Ah, alors, c'est qui le patron? C'est qui le patron là? Alors, on a un plug. Par où faut qu'on aille aussi?
Allez! Je vais pas recommencer tout, hein. C'est bon, on l'a eu. Il est mort, il est mort. C'est l'histoire ancienne. Et j'attends avec patience son grand frère, le pied qui va sautiller derrière toi. Non. Mais peut-être. Peut-être. Allez. C'est par là, vous allez voir. On a trouvé un plug. On va casser la... Attendez. Il faut être méthodique. On va poser ça là. On va prendre ça. Et on va casser la vitre. Oui, et dans Réanimator aussi. Et puis dans La Famille Adams. Ah ben on va casser la vitre avec le marteau, tout simplement. Je suis bête. Oui, voilà. La Famille Adams, la chose. Et voilà. Alors, on a bien joué ou pas? Et voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer. Bon, faut qu'on rejoigne Billy. Par où on doit passer? Non. Faut qu'on fasse du backtracking, faut qu'on revienne. La trilogie du retour des morts vivants, c'est magnifique. Moi je me souviens bien du 3, parce que je l'avais en VHS. Ah ouais, la porte est ouverte maintenant. Eh hey Billy, qu'est-ce qu'il fait Billy? Vous avez vu, hein, c'est un ancien légionnaire. Il est en train de il fait du practice, il est en train de s'entraîner à casser des doigts. Bon Billy, hein? Tu viens? Allez, viens Billy. Ça sera notre petit secret. Vous savez quoi? Mais comment ça se fait qu'il y a un plug qui est là maintenant? Bon, ça c'est celui de l'ascenseur, mais moi je sais qu'il y a... Regardez, non, te pars pas toi le plug. Pourquoi il veut pas le ramasser celui-ci? Bon, c'est curieux. Il y en a un qui est là, il veut pas le prendre. Ok, mais non, mais je les ai tous vus. Dis donc, tu crois quoi? Tu crois que je connais pas? Non, je les ai tous vus, bien sûr. Mais je me souviens bien du 3. Mais attendez là, je suis pas complètement con encore. Ce plug là, pourquoi on peut pas le prendre? Il veut pas que je le prenne. Y a un bug? Billy, viens m'aider. Ah bah non, peut-être qu'il marche plus. Non mais je veux pas le mettre ici. Je veux le prendre. Pourquoi il veut pas que je le prenne? Maintenant il veut plus le prendre. Ah si, voilà. Eh ben dis donc. Des fois le jeu, hein, il vaut des contrôles. J'aurais pas à me plaindre. Hein, j'aurais surtout pas à me plaindre, mais ça fait un peu chier. Non, parce que là il y en a un. Et c'est le... Vous allez comprendre. Avec un plug, on va avoir un autre plug. Vous allez voir. Voilà. C'est de la mécanique. C'est de la mécanique de jeu, ça. Ah, peut-être un petit peu par ici. Eh oui. Ah bah alors. Avec un plug, on va avoir un autre plug qui va nous avoir un autre plug. Qu'est-ce qu'on peut faire, là, avec ça? Oula, bravo. Allez, Billy. Allez, fais-le, toi. Mais oh! Alors, lui, s'assoit, là. Et dis donc, on n'a pas que ça à foutre, Billy. T'as pas compris qu'il fallait que tu fasses ce que je viens de faire? Et moi je me glisse dedans. Vous avez vu là à côté? C'est une pièce pour donner chaud aux gens. C'est le chauffage individuel. Bon, j'imagine qu'on peut pas pousser là. Ah, pardon. Je suis en train de lire le chat. Vous voyez, il faut pas que je lise le chat. À chaque fois, je me fais avoir. Oh là 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 là. C'est qui ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, madame?
On va y aller tout doux. Hein. J'aime pas du tout sa façon. Je prépare déjà ma lampe torche. Je sens que la lumière va s'éteindre. Surtout si c'est moi qui l'éteins. Bah alors. Qu'est-ce que c'est quoi? Oula. Bah il avance quand je suis quand je regarde pas. Mais oh. Oh là 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 là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh mon dieu. Il y en a d'autres là, hein. Ça fait peur, ça, un peu, hein. Enfin, moi, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a fait peur. Moi, j'ai le casque très fort sur les oreilles. J'ai pas fait le malin. Bon, là, ça sert à rien de monter. Oh là là, oh là là. Bah, dis donc. Quel enfer. Qu'est-ce que c'est que ces gens? On peut pas là. Hein. Non, non, faut qu'on aille ici, c'est cassé. Bon, je l'aime pas lui. Oh là là, lui. Alors lui, vous pouvez être certain qu'il va nous courser avec son moignon là. Ça c'est une certitude. Bon, ambiance, hein. Ambiance, ambiance. Oh mon dieu, allez, allez on se dépêche. Voilà. Heureusement que j'ai un skill de fou, hein. Sinon on y sera encore. Heureusement que je maîtrise la manette. Heureusement qu'elle maîtrise. Regardez-moi ça. Ah, ça va, on n'était pas mort depuis longtemps. On n'était pas mort depuis longtemps. Ça va. Il y en a déjà qui se plaignent sur le chat, je suis sûr. Alors évidemment, même les inférieurs de Silent Hill. Mais il y a plus de flip ici. Pourquoi, qu'est-ce que t'écris? Un boss sans bras ni jambes, ce n'est qu'une madeleine. Oh d'accord. Ça se moque des handicapés. Allez, on va être encore ban de Twitch, hein. Allez, c'est bon. Voilà, le petit slide, la petite glissade qui fait du bien. Et pourtant, tout de suite, là, hein, j'étais sûr de mon coup hein, quand j'ai sauté pour attraper la fenêtre. Hein. Regardez-moi ça, c'est du rugby. Mais comment il a pu me rattraper cette fois-ci? J'étais aussi vite. J'ai été aussi vite que la première fois. Oh, ça m'agace. Quand j'arrive à faire quelque chose du premier coup, puis qu'après que ça fonctionne pas, ça c'est vraiment agaçant. Allez, 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 allez. Genre là, on va mourir, vous voyez? Alors qu'on a réussi déjà. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas refaire les choses deux fois. Eh mais mon dieu, voilà, ça y est, on est dans une boucle infernale. Ah mon dieu, mon dieu. Il faut que je fume un coup. Vous êtes prêts? Parti. Là on le fait du premier coup. Il me fallait un peu de nicotine. Il me fallait un petit peu que je sente cette douce et agréable sensation à travers mes veines. Ce lent et doux poison qui me consume. Allez, 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 allez. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, rugby. Mais quoi? Y a quoi? Y a une erreur de perspective? Pour moi il est vachement loin là. Pourquoi j'ai réussi la première fois et limite même j'avais du temps de passer deux fois la première fois puis maintenant j'y arrive plus. Ouh, ça m'agace. On va pas... C'est quoi ce petit jeu qui m'a... Allez, il faut qu'on retrouve Billy. Allez, c'est bon, on fait en ligne droite, on arrête de faire trop le con. Voilà, on a le temps en fait.
Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh là 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 là, oh là 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 là. Vous avez vu ça? Oui, il fallait aller au tout droit, au plus court. Il veut pas ouvrir la porte. Ah mais non, de toute façon, il faut que je regarde mieux. Hein. Pourtant j'ai un petit écran là. Hein. Je suis plus sur la grande télé, donc je vois mieux. Oh mon dieu, si on avait joué sur la grande télé, j'aurais rien vu de tout le jeu, on sera encore au premier chapitre. Pourquoi il veut pas là? Pourquoi il veut pas monter? Ah, parce que j'appuie pas sur le stick. Là, on peut pas monter. Non. Voilà. Mais dis donc, ça fait un sacré détour. C'est une sorte d'asile, en fait. Ça fait hospice, ça fait asile, ça fait un peu tout, quoi. Pratique. C'est pratique. Bon, là... ça sert à rien, évidemment. Mais dis donc... oula, 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 oula. Point trop d'info. Point trop d'info, les enfants. Oh, mais mon Dieu. Pourtant, vous avez vu, j'ai essayé de faire mon mieux, là. J'ai dodgé, j'ai... ça ne l'a pas effectué. Ça ne l'a pas effectué. Si on y arrive, on aura le droit à un petit coup de... du chien. Parce que je sais que vous l'appréciez déjà. C'est parti. Et je promets, je lis ton commentaire après. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mais en fait, faut rester au milieu. Bah oui, mais... mon dieu. Il faudra que tu essaies de leur foutre la torche dans la gueule. Je suis curieux de voir si ça les arrête. Tout à l'heure, j'ai cru que ça faisait ça. Je sais pas. Mais tu sais, il me course après, j'ai l'impression qu'il s'en fiche. Vous savez quoi, on va rester au milieu. Éteins la lampe, éteins la lampe. Ouais bah bravo, merci. Merci Nictaras. Merci pour tes précieux conseils. Bon maintenant j'allume deux fois la lampe, je mets la puissance maximale. Non, il faut essayer de dodger un petit peu, mais c'est pas... bon, c'est pas évident leur truc, hein. On voit pas très bien Lightbox, mais les masques de collision... mais non, mais... vous voyez, là, par exemple, il m'a attrapé, mais... Il m'a attrapé, et normalement, il m'a pas attrapé. Alors, c'est le seul tout petit reproche que j'ai par rapport au jeu. C'est qu'il y a des moments, au niveau des masques de collision... bon... bon là je dis rien, c'est ma faute. Au tout début, quand le premier mannequin a bougé, il était déjà dans le noir. La règle, sa lentille s'applique par ici. Pas ici, ouais. Tu crois que tu peux éteindre, tu peux attendre dans le couloir? Genre les mains peuvent s'arrêter? Ah. Bah je sais pas, je vais essayer. Mais elles seront là en fait. Non non, ça, il faut passer. Parce qu'elles vont toujours être là, enfin tu vois ce que je veux dire, faut progresser quoi. Faut que j'aille au bout du couloir. Ou alors j'y vais tout lentement. Oui, ça serait peut-être pas idiot, merci. En fait ça m'a donné une idée. C'est que si j'y vais lentement, je vois où elles apparaissent. Voilà, il faut pas courir comme un... t'es raté. Quoi, 3 minutes? Qu'est-ce qu'il y a 3 minutes? Il est télescopique lui. C'est E.T. là-dedans. On va y arriver. On va y arriver, c'est juste que... bah c'est pas... voilà, voilà. Mais merde, putain. Non, je vous assure que c'est pas évident au niveau de la perspective, en fait. Peut-être de chez vous, dans votre téléviseur cathodique. Ça semble facile, mais ça ne l'est point. Bon, allez. J'essaye peut-être d'aller trop vite. C'est pas impossible. Et tout à l'heure, j'ai l'impression que j'ai mieux réussi. Oh mais putain, mais...
Non mais c'est au petit bonheur la chance quand même. Tout à l'heure quand j'ai couru, j'ai l'impression que j'en ai dodgé plus. Bon, et vous savez quoi? Je vais faire comme si c'était la première fois. En général ça passe, quand c'est comme ça. Genre je sais pas. Oh là, oh là, oh là! Je joue comme si je savais pas. Putain, on y était là. On y était. Ouais, c'est au pixel là. Si j'étais vulgaire, je dirais c'est au poil de cul quoi. Je ne le suis pas. Mais c'est exactement ça. Hein. On croirait Léa qui traverse le couloir de son pensionnat en plein milieu de la nuit. Dis donc. T'es au pensionnat, Léa? Qu'est-ce qui se passe? Non mais faut courir. Mais merde, je tourne trop vite. Je l'ai. Bon, il faut bien qu'il y a des moments, qu'il y a des petites séquences un peu plus difficiles, mais celle-là, je la trouve un petit peu injuste. Voilà, je vais pas vous mentir. Je la trouve un peu injuste, celle-ci. Parce que je suis comme un très bon joueur. Alors là, que ça me mette en défaut, ça m'agace. Ok, il raconte n'importe quoi. Ouais, bon, d'accord. Non mais moi, comme je lis, je prends tout au premier degré en fait, c'est ça mon problème. Après, quand je suis plus détendu, que je suis devant ma télé, que je regarde la vidéo, je ris de vos commentaires. Mais là, comme je joue, moi je prends tout au premier degré. Tu me dis que tu mesures 3 mètres, je te crois quoi. J'essaye de fournir un contenu de qualité. Voilà. Erreur de perspective. Ah, c'est dégueulasse. J'espère qu'il y a un checkpoint. Je crois que j'en ai vu un. Et non, les bâtards. Pardon, les coquins. Mais c'est bon. J'ai compris que le dernier, fallait prendre son temps pour tourner. On va y arriver. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas. Alors celui-ci, faut vraiment faire ça, voilà. J'ai les mains qui glissent du joystick maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis mort trop de fois? Le jeu veut plus que je joue? Vous avez vu ça? Le bug là? J'ai eu peur. Mais il faut que je saute, je pense. Je pense que le dernier, il faut que je saute. Allez. Ça va être la dernière. On passe ça. C'est bon. Là, c'est bon. C'est bon. Voilà. Là, c'est là. Putain. J'ai remis le stick bien et j'espère que ça va pas me pénaliser. C'est bon. Vous avez vu? Il y a des moments, ça, c'est un petit peu au bonheur. Ah non. Mais j'ai appuyé! Putain, je vous jure que j'ai appuyé. Oh là là, j'ai appuyé pour qu'il attrape. Oh les salauds, les salauds! Mon dieu. Mon dieu. Allez. Vous êtes prêts? C'est parti. Là, c'est bon. Là, c'est une affaire qui roule. Bon, après, il y a la fatigue. Ouais, voilà. Ça, c'est le souci, c'est qu'à force de refaire la même chose, il y a l'agacement qui se mêle à la fatigue. Puis j'arrête pas de parler hein, depuis 1h30. Donc, après, on fait des erreurs qu'on n'aurait pas fait la première fois. C'est pour ça que je m'arrête toujours au bout d'une heure 45. Je me fais vieux. Allez, allez, coquin. Non mais faut qu'on y arrive là. Là c'est bon, je me fais pas avoir.
Merde. Ah oh, non, c'est bon. Oh là là. Et c'est vraiment, voilà, il y a un petit souci de perspective de temps en temps. Voilà, c'est parfait. On allume ça. Et voilà. Parfait, nickel. Ah, mes aïeux, mes enfants. Mes enfants. La mouche, évidemment, la mouche. Écoutez, je vais aller m'occuper de mon bébé. Je vais m'occuper de mon fils. Je vais rejoindre ma femme. Je passe en main cam. J'aime beaucoup, hein. Le jeu est très bon. Le jeu est très très bon. Je vais vous donner rendez-vous demain, 21h, si ça vous tente de poursuivre l'aventure avec moi. J'aime beaucoup. Bon, là, il y a eu... C'est un petit peu plus tendu, là, ce petit passage. Mais on a réussi à le faire, donc c'est parfait. On reviendra ici dès demain. Je vais remercier tout le monde qui est passé sur le chat. Hein. Je vous embrasse tous très fort. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée, voilà. Je vous laisse sur mon excellent générique de fin, vous le savez. Je vous embrasse tous, à demain. Life.